Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette présentation, on va parler de la distance administrative et on va voir la différence entre la métrique et la distance administrative. On suppose qu'on a un routeur sur lequel on a activé le RIP et puis quand on va faire show IP route pour voir le contenu de la table de routage, on va trouver qu'il y a des routes qui sont directement connectées au routeur, donc d'où la lettre C, et il y a des routes qu'on a découvert grâce au protocole de routage, le RIP, d'où la lettre R. Et dans cette route, on va trouver le réseau de destination, le nœud suivant par lequel on doit passer, l'interface de sortie. Et puis, il y a ici 120 sur 1. Alors, c'est quoi ce 120 et c'est quoi ce 1? Le 1, c'est comme on l'a vu dans les travaux pratiques précédents, il s'agit de la valeur de la métrique qui correspond au nombre de sauts qu'on va faire pour atteindre la destination. Mais 120, c'est quoi le 120? En fait, le 120, il s'appelle la distance administrative. La distance administrative, il correspond à quoi? En fait, il correspond à rien. Si la métrique correspond au nombre de sauts qu'on va faire pour aller à la destination, la valeur de la distance administrative, c'est une valeur fixe. Oui, elle est fixe pour le RIP. Elle ne change pas. Elle vaut toujours 120. Donc, à quoi ça sert? La valeur de la distance administrative, elle sert quand on a plusieurs protocoles de routage qui tournent sur le routeur. Par exemple, ici, on a le OSPF aussi qui est activé. Et qu'on suppose, par exemple, que le OSPF a trouvé une autre route vers le même réseau, mais à travers un autre lien. D'accord? Donc, maintenant qu'on a deux routes vers la même destination, le routeur a besoin de savoir laquelle des deux routes il va utiliser. Pour cela, il va comparer les valeurs des distances administratives. Chaque protocole de routage a une valeur de distance administrative fixe. Elle vaut 120 pour le RIP et 110 pour le OSPF. Alors, dans ce cas, laquelle des deux routes on va utiliser? Peut-être que vous allez penser à la RIP parce que la valeur de la métrique est 1 qui est inférieure à 15. Donc, elle est meilleure. Mais en fait, non. Avant de comparer les métriques, on doit comparer les distances administratives. Si on a deux routes vers la même destination, trouvées par deux protocoles de routage différents, alors on doit commencer par comparer les valeurs des distances administratives, puisque le OSPF a une valeur inférieure, donc meilleure, donc on va utiliser la route trouvée par le OSPF. D'accord? Donc, vous avez un peu compris la différence entre distance administrative et métrique. La distance administrative, c'est une valeur fixe pour chaque protocole. Elle nous donne une idée sur la préférence du protocole de routage, lequel des deux protocoles de routage on va utiliser, alors que la métrique, c'est une valeur variable, d'accord? Elle nous donne une idée sur la route qu'on va utiliser si on a trouvé plusieurs routes par le même protocole de routage. Ok? Et donc, comme je l'ai déjà dit, pour chaque protocole de routage, il y a une valeur fixe qui s'appelle la distance administrative. Par exemple, pour le routage statique, la distance administrative est de 1. Pour le OSPF, elle est 110. Pour le RIP, 120. Pour les routes BGP internes, 200, etc. D'accord. Donc, on se propose maintenant de faire un peu de travaux pratiques. Puisque dans l'introduction au routage dynamique, je vous ai dit qu'on utilise le routage dynamique aussi dans les réseaux de type NBMA, typiquement le X25 et le frame relais. Comment ça? On a dit, si jamais on a une connexion frame relais qui utilise un seul réseau IP WAN pour adresser le WAN, pas de notion de sous-interface. Alors si on utilise un seul réseau IP pour le WAN, et qu'on a une liaison de secours, par exemple ici. Alors, je vous ai dit, si on utilise le routage statique, donc normalement, on doit écrire quelque chose qui ressemble à ça pour aller au réseau 2. Donc,
Ici, il y a une faute. C'est 192.168.2.0. Pour aller au LAN distant, on doit passer par le WAN distant, qui est normalement le frame relais. Ça, c'est la liaison principale. Et puis, si jamais il y a un problème, on doit passer par la liaison de secours qui correspond à la ligne spécialisée. Et on ajoute 50. Je vous ai dit qu'il s'agit de la métrique de la deuxième route, puisque on veut utiliser la deuxième route seulement si on perd la première. D'accord? Mais là, entre parenthèses, on dit métrique par abus de langage, mais techniquement parlé, cette valeur correspond à une distance administrative. En fait, on change la distance administrative de la route statique. Par défaut, on a dit elle vaut 1. Maintenant, on la change à 50. Quand vous allez faire show IP route, vous allez trouver que cette 50 se trouve dans la partie à gauche qui correspond à la distance administrative. Mais par abus de langage, on dit métrique, et on a peut-être raison de dire ça, puisqu'il s'agit de deux routes statiques, donc de même genre. D'accord? Alors, je reviens à notre problème. On a dit si on utilise le routage statique comme ça. Donc, si jamais il y a un problème sur cette connexion, cette interface Siri Frame Relay va rester toujours up. Et du moment qu'elle est toujours up, donc le routeur R1 va toujours router sur le Frame Relay. Il ne va jamais utiliser la liaison de secours. C'est pourquoi on a dit que ça ne marche pas comme ça avec le routage statique. On doit utiliser le routage dynamique pour basculer automatiquement sur la ligne de secours. Et donc, je vous propose de faire ça avec vous, d'accord, et de vérifier que le routage statique ne le fait pas, mais le routage dynamique permet de le faire. D'accord, donc toujours, on va utiliser GNSTAROA pour ça, ok. Et donc, on va commencer par le routage statique. On va supposer qu'on va utiliser le routage statique. Et on va désactiver l'interface série du routeur R2. Et on va voir est-ce qu'il y a une communication entre ces deux réseaux ou bien non. D'accord, donc je vais commencer par voir avec vous les fichiers de configuration. On commence par le siège, okay, le site principal, Showrun. Donc, ça c'est l'adresse IP au niveau de l'interface LAN. Okay, puis on a la configuration du frame relais et la configuration de la ligne spécialisée qui est la liaison de secours. Et puis maintenant, on a des routes statiques. Voilà deux routes statiques pour l'agence 1. La première à travers le frame relais, le réseau 0. Et la deuxième à travers la ligne spécialisée, avec ici la valeur de la distance administrative ou bien métrique qui vaut 50. D'accord? Cette route, c'est pour l'autre agence. On va du côté agence vérifier la configuration. Choran. Alors ici l'adresse IP du LAN et puis l'adresse IP frame relais, configuration frame relais, configuration ligne spécialisée. Et puis on a également deux routes statiques, l'une à travers le frame relais et la deuxième à travers la ligne spécialisée avec une distance administrative ou bien métrique à 50. Donc en faisant de la sorte, normalement, si je vais faire show IP route, donc bien sûr, on va utiliser le frame relais pour aller au siège. On passe par le frame relais. De même, si je vais au siège, donc show IP route, on utilise le frame relais. Tout va bien pour le moment. D'accord. Et je peux faire ping. Là, mon PC, c'est du côté siège. Il est en train de faire des pings sur le LAN de l'agence. Tout va bien. Alors maintenant, je vais aller au niveau de l'agence et je vais faire shutdown sur l'interface série du frame relais. Dans l'interface série 1 sur 0 qui est connectée au frame relais. Shutdown. OK. Maintenant, le frame relais est down. Donc, je vous rappelle que voilà, j'ai fait shutdown ici. Donc, cette interface, elle est down. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau routeur 2? Au niveau de l'agence, la table de routage show IP route, on a perdu le frame relais, donc on bascule sur la ligne spécialisée. Vous voyez bien ici la 50, elle est bien dans la case distance administrative.
D'accord? Puisqu'on a perdu le frame relais, donc la première route n'est plus valide. Donc on bascule du côté agence vers la ligne spécialisée, mais du côté du siège, pour le siège, si on fait show IP route, donc on va trouver qu'on utilise toujours le frame relais. Il est où la route? Voilà, on utilise le réseau 0. Pourquoi? Parce que l'interface du frame relais, show interface 0.1.0.0, est toujours up. Elle a le droit de l'être puisqu'elle n'est pas dédiée pour l'agence 1. Donc elle sert à communiquer avec plusieurs agences. D'accord? Et nous, on a écrit une route statique qui pointe vers le réseau 192.168.0. Je vous rappelle qu'on a écrit les routes statiques. Voilà, pour aller au réseau 2, on passe par le frame relais. Le frame relais est toujours apte, donc la route est toujours valable. D'où donc le problème, on ne peut pas communiquer avec l'agence. Pourquoi? Parce que le siège, on voit, utilise toujours le frame relais. D'accord, vérifier la connectivité entre les deux routeurs. La connectivité est perdue. On n'a pas le basculement automatique. Mais on veut le faire. Et comment ça? On a dit grâce au routage dynamique. On va activer l'interface série de nouveau. Ok, conf T, interface série 1 sur 0, no shutdown. On va attendre un peu pour que le frame relais devienne up et pour que le siège le détecte. En attendant, on va lire l'énoncé. Donc, on va utiliser le RIP, qui est un protocole de routage dynamique, pour activer la ligne spécialisée quand le frame relais du routeur R2 sera down. Donc, on veut maintenant éliminer le routage statique et on va utiliser le RIP pour que, normalement, on utilise le frame relais quand tout va bien. Et si jamais cette interface devient down, donc là, on va basculer sur la ligne spécialisée. Donc, je vais vérifier. Alors maintenant, tout va bien. Donc, on va commencer par éliminer les routes statiques. Là, je suis nouveau siège, conf T, new IP route 192.168.2.0 255 255 0. Est-ce que c'est bon? Showrun. Include IP route, est-ce qu'il y a... Alors, il existe la route pour le réseau 3, pas de problème pour celle-ci. Donc, on va maintenant du côté agence. On va faire la même chose, on va supprimer les routes statiques. La IP route qui pointe vers le siège. D'accord, et on a dit qu'on va activer le RIP. D'accord, on va retourner vers le siège. On va activer le RIP, la commande C-Router RIP. Ok, alors normalement, quels sont les réseaux à déclarer? Normalement, le LAN et 2WAN, frame relais et la ligne spécialisée. Faisons ça. Donc, network sur le LAN 192.168.1.0, sur le frame relais 0.0 et sur la ligne spécialisée, j'ai le réseau 100.0. Ok, on va faire la même chose du côté agence. Donc, route RIP network 192.168.2.0. Ça, c'est le LAN, et puis 0.0, le frame relais, et puis la ligne spécialisée 100.0. Ok? Donc, en faisant de la sorte, qu'est-ce qu'il y a maintenant dans les tables de routage? Voyons du côté siège, par exemple. Show IP route. Pas encore. On attend les messages RIP. Alors voilà les messages RIP qui arrivent. Maintenant je suis dans le siège. Il me dit que pour aller au réseau 2, je dois passer
par le frame relais. Ah, maintenant le RIP a convergé. Il dit mieux. Il dit que pour aller à l'agence, donc le réseau 2, il a trouvé deux routes. La première route par la ligne spécialisée et la deuxième par le frame relais. Mais en faisant de la sorte, le routeur va utiliser les deux liens en même temps. Il va envoyer une fois un paquet sur la ligne spécialisée et puis sur le frame relais. Donc normalement, du côté agence, on va trouver la même chose. Chez UP route, on a deux routes qui ont la même métrique 1-1. C'est pourquoi il les garde les deux. Deux routes avec même métrique. D'accord? Mais c'est pas ça ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que utiliser seulement le frame relais dans le cas où tout va bien. Et puis, si jamais il y a un problème sur le frame relais, là, on va basculer sur la ligne spécialisée. Donc, on ne veut pas avoir deux routes pour le même réseau. D'accord? Sinon, il va partager la charge sur les deux liens. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Surtout si la connexion de secours n'a pas le même débit que la connexion principale. Donc ça va influer négativement sur les performances de vos communications. Alors comment va-t-on faire? Donc on veut vraiment, on a envie d'éliminer la ligne spécialisée du RIP. Mais si on va éliminer la ligne spécialisée du RIP, dans ce cas, on n'a plus de route à travers la ligne spécialisée, n'est-ce pas? Donc on peut par exemple ajouter la route de la ligne spécialisée par une route statique. Mais si on va faire comme ça, la route statique, combien vaut la distance administrative de la route statique? On a dit 1. Donc si on va faire ça, laquelle des deux routes va gagner? C'est bien sûr la route de la ligne spécialisée. Parce qu'elle a une valeur meilleure de distance administrative qui est 1 à comparer par rapport au 120 qui est la valeur de la distance administrative du RIP. Vous voyez un peu? Donc ça va pas marcher comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que la liaison principale soit le frame relais, pas la ligne spécialisée. Donc, quelle idée? C'est quoi l'idée? Alors, j'ai une idée. On va éliminer la ligne spécialisée du RIP, conf-t, routeur RIP. On va éliminer le réseau 192.168.100.0. Mais on va ajouter une route statique, IP route, vers le siège. À travers la ligne spécialisée. Mais si on va s'arrêter ici, donc cette route statique va gagner, puisqu'elle a une meilleure distance administrative. C'est pourquoi on doit lui donner une très mauvaise distance administrative par rapport au RIP. Par exemple, puisque le RIP a une valeur de distance administrative 120, là, ici, par exemple, on va mettre 125, par exemple. De cette façon, c'est le RIP qui va gagner, donc le frame relais sera la liaison principale. Et si jamais on perd le frame relais, donc on bascule sur cette route statique qui a une mauvaise distance administrative. On va essayer ça. Donc on va du côté siège aussi, on va faire la même chose. Route RIP. On va éliminer le réseau de la ligne spécialisée. Et on va écrire une route statique vers l'agence à travers la ligne spécialisée, mais avec une mauvaise distance administrative qui doit être supérieure à 120, n'est-ce pas?
Donc, on a donné 125, vous pouvez donner n'importe quoi, 130, 150, l'essentiel, quelque chose qui est supérieur à 120. Ok, on va voir la configuration de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a configuré? Dans le RIP, on a seulement le LAN et le frame relay. Et puis ici, on a une route vers le réseau 2, une route statique vers le réseau 2, mais avec une distance administrative qui est supérieure à 120, supérieure à celle du RIP. De cette façon, si on va faire show IP route, donc normalement, on va trouver que. Donc, je vais faire clear IP route. Pour calculer les routes de nouveau, de même ici, clear IP route étoile, on va recalculer les routes. Ok, maintenant show IP route pour aller au siège, on passe par le frame relay. Vous voyez, malgré qu'il y a une route statique qui utilise la ligne spécialisée. Mais cette route statique n'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce que sa distance administrative est supérieure à 120. Donc on va prendre celle du RIP. Je vais vérifier au niveau siège qu'on a la même chose. Show IP route. Donc pour aller au réseau 2, on passe par le frame relay. D'accord. Maintenant on va faire shutdown sur la ligne spécialisée de R2 et on va voir est-ce que ça marche ou bien non. Maintenant, normalement, on doit avoir un basculement automatique. Pourquoi? Parce qu'en utilisant le routage dynamique R1, il ne va plus recevoir des annonces ou bien des messages RIP de R2. Et si vous vous rappelez bien ce qu'on a vu dans le cours, dans les cours précédents, quand on a parlé du hold down. Vous vous rappelez, on a dit si on ne reçoit pas les messageries pendant 180 secondes, donc la route sera invalide et on va entrer dans hold down et après 1 minute, on va supprimer la route de la table de routage. De la sorte, on va perdre la route du frame relay et donc on va basculer automatiquement sur la deuxième route. Donc on va vérifier ça ensemble. On va faire, pour le moment tout va bien pour le ping. On va au niveau agence, confeté, interface CD1 sur 0, shutdown. Ok, alors l'interface est down. Maintenant si on fait show IP route du côté siège, alors ça fait 28 secondes qu'on a reçu le dernier message RIP. Ok, maintenant ça fait 38 secondes. Du point de vue agence, qu'est-ce qui se passe? Show IP route. Alors ici, vous voyez bien qu'on a basculé directement sur la route statique qui utilise la ligne spécialisée, qui a la distance administrative de 125. D'accord? Donc l'agence peut communiquer avec le siège à travers la ligne spécialisée maintenant, puisque l'interface frame relay est down. Donc le réseau 192.168.0 est down. Donc directement, on supprime la route qui utilise le frame relay et on la remplace par la route de la ligne spécialisée. Mais pour le siège, on doit attendre l'écoulement de 3 secondes pour atteindre la valeur invalide, pour que la route soit invalide, et puis après 1 seconde. Et donc là, on commence à perdre les paquets. Déjà, il nous demande de compter le nombre de paquets perdus. Combien on va perdre de paquets? Je pense que c'est beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Bon, ça fait beaucoup puisqu'on va attendre minimum 3 minutes pour atteindre l'état invalide et puis une autre minute pour supprimer la route de la table de routage. Ainsi, on bascule sur la ligne spécialisée puisqu'on a une route statique avec la distance administrative 125. Donc malheureusement avec le routage dynamique, on doit toujours attendre un peu le temps que ces compteurs expirent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ces compteurs, on peut diminuer le temps d'attente. Au lieu de mettre 3 minutes, on peut mettre 2 minutes par exemple, ou bien 1 minute, chose qu'on va tester après. Donc la route maintenant est possible down, donc comme on a vu dans les TP précédents, et après 1 minute normalement elle va être supprimée puisqu'on va faire le flash de la route. Donc pendant tout ce temps, on perd la communication entre les deux sites. On utilise toujours le frame relay puisqu'on est dans l'état hold down maintenant. On est toujours dans l'état hold down. On s'approche d'une minute. Elle est toujours possibly down. Et hop. Et maintenant, on bascule sur la ligne spécialisée. Vous voyez ici. Donc là, on retrouve la communication. D'accord? Puisque on a supprimé la route du frame brûlé, on a inséré la route statique qui a la distance administrative 125. D'accord? Donc ici, conclusion. Avec le routage statique tout court, il n'y a pas un basculement automatique sur la ligne spécialisée, mais avec le routage dynamique, donc après 3-4 minutes, on bascule sur la route sur la ligne spécialisée. Quel est le nombre de paquets perdus? Je ne sais pas si on peut les compter, mais vraiment on perd beaucoup de données. D'accord? Et puis donc, je sais pas si les statistiques, Lost 86. Ok. Donc déjà, on a perdu 86 paquets. Maintenant, il nous demande d'accélérer l'activation des liaisons de secours. Est-ce qu'on peut accélérer un peu ce basculement sur la ligne spécialisée? Donc il suffit de changer les timers, tous ces compteurs. Donc R2, au lieu d'attendre 3 minutes pour que la route soit invalide, et puis d'attendre 1 minute pour supprimer la route, donc on peut jouer sur tous ces objets, tous ces compteurs. On va tout d'abord réactiver la connexion frame relay. Conf T interface serial 1 sur 0, un shutdown. Et puis donc, on veut accélérer un peu ce basculement. Donc, il suffit d'entrer dans le mode router RIP. Et puis d'utiliser la commande timers basic. Le premier timer, c'est la période ou bien la fréquence d'envoi des messages RIP qui est par défaut 30 secondes. Donc on va garder ça à 30 secondes. Le invalide, normalement par défaut on attend 3 minutes. Donc je trouve que c'est beaucoup. Si on va attendre seulement 60 secondes, donc 1 minute. OK.
Et puis le hold down. Donc je vais garder pendant 10 secondes. Ça me suffit. Et le flash, on va supprimer la route après 60, 65 secondes par exemple. D'accord? Alors, maintenant qu'on a activé le frame relay, chez route, donc on utilise le frame relay. D'accord, on utilise le frame relay. Pourquoi on est retourné au frame relay? Parce que il a une meilleure distance administrative. Maintenant, on va répéter le test. Ok, on va faire conf-t interface série 1 sur 0 shutdown. Normalement, du côté siège, on va pas attendre beaucoup, c'est juste 60 secondes sur IP route. Alors ça fait 13 secondes qu'on a reçu un message RIP. Donc normalement, on doit attendre 60 secondes, 1 minute pour atteindre le invalide, l'état invalide. Et puis 5 autres secondes pour faire le flash, pour atteindre l'état flash, donc pour supprimer la route. Ainsi, donc on a accéléré 50, on a accéléré donc le mécanisme du basculement automatique. Normalement, possibly down. Voilà, on est dans l'état hold down, donc on va rester quelques secondes et voilà, c'est fait. Donc on bascule sur la ligne spécialisée. Combien on a perdu tout à l'heure? Je pense plus que 80 paquets. Maintenant, on ne perd que 15 paquets. Donc vous voyez bien que le basculement est beaucoup plus rapide. Voilà donc, j'ai essayé de vous montrer dans cette présentation comment le routage dynamique permet d'activer la ligne spécialisée dans le cas où on a un problème dans le réseau frame relay, chose qu'on ne peut pas faire avec le routage statique, puisque en utilisant le routage statique, le routeur R1 va toujours en utiliser le frame relay. D'accord? Mais en utilisant le routage dynamique plus une route statique avec une mauvaise distance administrative, dans ce cas, donc on bascule sur la ligne de secours et on peut changer les timers de telle façon à ce que ce basculement soit beaucoup plus rapide. Donc, pour résumer la configuration, donc la configuration est très simple, juste configuration sur les interfaces, puis sur le RIP. On déclare le LAN et le OneFrame Relay et on ajoute une route statique par la ligne spécialisée avec une mauvaise distance administrative. Je vous remercie pour votre attention. Merci et au revoir. Et j'espère que les TP n'étaient pas trop compliqués.